Voici Bob, le pirate, hip 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 hourra. C'est ton grand camarade qui va vers toi. Sur son vaisseau vacillant, il navigue par tous les temps. Voici Pat, le pirate. Voici Pat, le pirate, hip 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 hourra. C'est ton grand camarade qui va vers toi. Sur son vaisseau vacillant, il navigue par tous les temps. Voici Pat, le pirate. Ohé, Moussaillon. Ce jour-là, alors que Betty était sur le point de partir, Bruno, lui, fit une trouvaille. Une paire de gants de boxe. Une paire de gants de boxe. Oui. Bruno s'est demandé lui aussi comment ils ont atterri dans la réserve, ces gants de boxe, mais Bruno sait bien ce qu'il va en faire, boxer. Moi, j'aime pas beaucoup la boxe. Peu importe, de toute façon, je m'en vais. Je descends sur la terre ferme, je rends visite à mon neveu Karl Balèze. Et comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je dors chez lui. À demain, bande de mauviettes. À demain, Betty. On boxe, capitaine. On boxe. Bruno, je ne frappe pas mes confrères pirates. Non, et de toute façon, j'ai encore plein de choses à faire. Oula. Oui, je crois que Bruno sait ce que Bruno va faire. Il faut que Bruno boxe contre Bouche Cousue. Quelques minutes plus tard, les deux boxeurs sont prêts. Alors, Bouche Cousue est prêt? Parce qu'il s'agit du grand championnat de boxe du vaisseau vacillant. Et le vainqueur sera le grand champion de boxe du vaisseau vacillant. Eh oui, Betty est parti. Et le capitaine ne veut pas participer. Bouche Cousue. Prêt? On y va. Après de longues heures de lutte acharnée, il n'y avait toujours aucun vainqueur. Mais tout à coup... Bruno va éternuer. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Bruno est le vainqueur! Bruno est le vainqueur! Bouche Cousue! Coucou! Bruno a gagné le combat! Bruno est le grand champion du vaisseau vacillant! Vous m'entendez? Bruno la panade est le meilleur boxeur de toute l'histoire du vaisseau vacillant! Ah oui? Oui! Oh! Déjà? Betty est de retour? Oui, j'avais oublié mon pyjama, alors je suis rentrée. Mais qu'est-ce que je viens d'entendre? Bruno la panade est le meilleur boxeur à bord du vaisseau vacillant? Dans ce cas, mon garçon, tu vas devoir te mesurer à Betty Balèze. Moi, me mesurer? Alors quoi, on se débine? Voilà comment Betty et Bruno se retrouvèrent face à face. Vous êtes prêts, tous les deux? Et comment? Oui, capitaine. 3, 2, 1, à l'abordage! Non, Betty ne frappe pas Bruno! Betty ne frappe pas Bruno! Betty ne frappe pas Bruno! Et la panade? Oui? Bouh!
la mouviette. Oh, tonnerre, tonitruant et boulet de canon. Je suis la championne de boxe du vaisseau vacillant. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que j'ai pas eu besoin de boxer. Et tout est bien qui finit bien, sauf pour Bruno, bien sûr. Il souffrit d'une terrible migraine tout le reste de la journée. Et le vaisseau vacillant s'en alla voguer vers de nouvelles aventures. Oui, Moussaillon.